Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé de très bonnes vacances. Je suis très content de vous retrouver. Je suis moi-même rentré de vacances et j'ai trouvé différentes choses pendant mes vacances, dont un petit produit vraiment très sympa qui va permettre aux youtubeurs ou aux personnes voulant avoir sa tablette ou son smartphone sur une perche. Vous allez avoir cette perche de 1m20, vous allez pouvoir la régler à votre désir. Cette perche est de la marque Ugreen et elle va vous permettre de filmer, voire de mettre votre tablette ou votre smartphone. Alors elle est compatible avec les tablettes jusqu'à 10,6 pouces, ce qui est assez conséquent. Elle va vous permettre donc de mettre votre tablette en suspension et vous allez pouvoir par exemple faire des films, faire des photos, de mettre votre tablette ou votre smartphone en position de prise de photo lors de l'unboxing. Elle est très simple à monter. Donc voilà, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un gros pouce bleu car c'est ce qui fait monter la chaîne dans les tuyaux de YouTube, et pensez bien à cliquer sur la cloche, c'est super important si vous voulez recevoir les notifications ou les mails lors de la prochaine sortie de vidéo. Allez, on part tout de suite sur l'unboxing. Merci de regarder cette vidéo et j'espère vous compter parmi mes abonnés. Ok, donc ce qui va être intéressant, c'est que cette perche monte à 1m20 de hauteur. On va pouvoir bien sûr la régler et grâce à cette perche, par exemple, je pense à une catégorie de personnes, les malvoyants, vous allez pouvoir vous servir de cette perche comme scanner. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre votre tablette ou votre smartphone à une certaine hauteur et vous allez pouvoir flasher avec différents logiciels type KNFB Reader, Prismo, Text Grabber, donc faire des photos et vous servir de votre smartphone comme un vrai scanner. Et cette perche va vous y aider. En plus, vous allez pouvoir quand même mettre une tablette jusqu'à 10,6 pouces, ce qui n'est vraiment pas négligeable. On va pouvoir aussi placer cette perche de différentes façons et lui donner des différents angles pour justement prendre des photos, faire des vidéos, etc. On va tout de suite passer donc à l'unboxing. Comme vous pouvez voir ici, la boîte est très sobre. On a tout en haut le nom du constructeur qui est donc Ugreen, et sur la façade on a le dessin de cette fameuse perche. Ici on va passer tout de suite donc à l'unboxing. On va ouvrir cette boîte. Donc sur le côté on a un petit dépliant. On va ouvrir donc la boîte. Alors, une fois la boîte ouverte, on arrive tout de suite sur différents éléments de cette perche. On a tout de suite ce qu'on peut apercevoir, le pied. Voilà, donc le pied qui possède en bas, comme vous pouvez le voir, on a une petite roulette qui va permettre d'aller libérer la pince qui est en bas. Donc on va pouvoir la serrer à volonté par rapport donc à cette pince ici. Une fois que on a dévissé le pied, on peut, suivant l'épaisseur de votre bureau, on va pouvoir plus ou moins agrandir la pince. Une fois que vous aurez terminer l'agrandissement, on va pouvoir revisser avec le petit tube qui va permettre de serrer correctement. Exemple, ici sur ce bureau, je vais pouvoir donc dévisser à volonté. Comme vous pouvez voir, au niveau du pied, on est correctement calé et grâce au tube de serrage, on va voir notre pied qui est correctement bloqué. On va passer à la suite de la boîte. On a tout de suite emballé dans du plastique le support qui lui va prendre tout type de smartphone. Alors quand je dis tout type, ça soit du Samsung, Nexus, de l'iPhone, etc. Tous les types d'iPhone rentrent à l'intérieur. Et bien sûr, plus on va écarter ici et
là, on va pouvoir mettre notre tablette de 10,6 pouces que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui, des grandes tablettes. Et cette pince va serrer correctement votre tablette et vous allez correctement l'avoir en suspension. Ici, ça se visse là aussi sur le support. On va continuer le déballage. On lève donc un carton. Et ici, alors, on a le reste qui se trouve en deux parties. Donc, une barre droite, toujours emballée dans du plastique. On va tout de suite donc la sortir. La perche est de couleur blanc. Cette barre va aller se visser en haut du premier pied qui se trouve sur le bureau. Ici, à cet endroit, on va tout simplement visser notre barre. Là, je la visse. Voilà, une fois vissé, on a un premier jet de notre perche. La seconde barre qui, elle, est mise en forme de U, on va tout de suite donc la mettre droite et donc sortir le plastique. Cette barre comporte ici en haut une boule, va permettre de mettre le support de smartphone ou de tablette. Ici, on peut voir. On a sur le support une petite bague à dévisser, ce que je fais tout de suite. Donc, on dévisse cette petite bague. Une fois cette petite bague enlevée, on la rentre sur la dernière partie de la perche. Et ensuite, on va pouvoir entrer tout simplement notre support. Une fois notre support intégré, on va pouvoir donc le visser pour que notre smartphone et notre tablette soient correctement tenus par notre support. Alors ici, maintenant, on va pouvoir avoir jusqu'à 360 degrés de positionnement par rapport à notre tablette ou notre smartphone, ce qui va nous permettre de filmer dans toutes les positions possibles. Ici, 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 comme vous pouvez voir, c'est très très solide. Et le dernier bambou va lui aussi aller se visser sur la perche. Une fois que notre pied a été correctement vissé, on a notre tige qui monte et qui peut ici, comme vous voyez, se couder à volonté. Et tout au bout, on rencontre notre support. Alors, l'intérêt du support, comme vous pouvez voir, on va pouvoir ici, comme l'iPhone 7 Plus, le mettre sur notre support et après pouvoir faire des vidéos sans aucun souci. On peut voir ici, on peut régler la hauteur comme on le désire. Voilà. Donc c'est vrai que on peut être très à l'aise avec ce genre de support par rapport à une prise de vidéo ou même, comme je vous disais tout à l'heure, une transformation de votre smartphone en scanner. Alors ici, vous pouvez voir que on peut même, si on le désire, baisser la perche et se servir de notre tablette, de notre smartphone, comme on le désire. Éventuellement, comme vous pouvez voir ici, j'ai mon smartphone devant moi et je vais pouvoir travailler des vidéos ou sur des logiciels comme je le voudrais. Comme vous pouvez voir, cette perche est très accessible. On la monte très simplement, de couleur blanche, très design. Et comme vous pouvez voir, on aura notre tablette ou notre smartphone face à notre visage. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'autres vidéos vont venir sur des caméras de surveillance, d'autres produits high-tech. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à ma chaîne. Pensez bien à mettre le petit pouce bleu et
j'ai changé une grosse partie de mon setup et dans quelques semaines, je vous ferai donc une vidéo de mon setup. Merci à vous et à bientôt pour la prochaine. Salut !